expression de ta personne. Mais si je vais retourner chez mes parents, je vais l'avoir ma 350. Des rassemblements de jeunes comme celui-ci ont lieu quotidiennement dans des stationnements en banlieue. Nous avons passé une partie de la nuit dans ce stationnement de Place Saint-Eustache. Dans le langage du milieu, il s'agit d'un mythe. Les policiers ici sont vraiment comme... Ils nous laissent aller. Tant qu'on se ramasse, qu'on tient les lieux propres, on fait pas de bruit. Il n'y a pas de grosse musique, fait qu'on arrange pas personne. Fait que c'est sûr que c'est plus propice à que les gens viennent ici. Puis il y a du monde qui vient un peu partout, nécessairement, ça arrive non, là. Une passion pour les voitures, mais aussi un lieu où passer le temps. C'est quand on a vraiment besoin de se défouler, de s'amuser. T'sais, c'est là qu'on va au drag. T'sais, c'est là qu'on va se défouler, qu'on va s'amuser. Ici, c'est un endroit tranquille, on jase, on s'amuse entre amis. C'est comme la terrasse des chars modifiés. Si l'esthétique du véhicule est une priorité, à quelques minutes de là, d'autres poussent leur machine à fond sur la piste de l'autodrome Saint-Eustache. Une initiative qui a pour but d'éviter que les jeunes coursent dans les rues. Drague de rue légale sur une piste de course encadrée. Donc, tu as vraiment là, tous les éléments de sécurité. Et en dehors de la piste, il ne se passe rien. Tu ne verras jamais dans ces soirées-là quelqu'un faire crier pneus ou faire ce qu'on appelle un bon vieux show de boucan en dehors de la piste. Jamais. Le monde a un respect vraiment énorme. C'est quand même assez bruyant. On sait que ça flirte c'est avec l'illégal. C'est pas du bruit, c'est de la musique. OK. La musique. On sait que ça flirte beaucoup avec l'illégal. Vers la voiture montée. Comment on fait pour respecter les règles tout en vivant notre passé? La ligne est mince, des fois, mais c'est surtout c'est de servir de sa tête à la base parce que modifier une voiture, si on le fait bien, si on le fait dans les règles de l'art, on n'interfère pas avec la sécurité. Au contraire, souvent, on va améliorer la tenue de route, on va améliorer le freinage. Alors là, dire que ça rend l'auto dangereux, ça serait pas vrai. Facteur de succès en banlieue, des événements reconnus internationalement s'y déroulent, dont cette compétition de dérapage contrôlé. Au moment de notre passage, 10 000 personnes étaient réunies pour vibrer au rythme de leur passion. Mais parfois, le désir d'imiter leurs idoles sur la route dérange. On est dans le stationnement du restaurant Patate 2000 à Laval, à proximité de l'autoroute 440. Aujourd'hui, c'est assez calme, mais vous allez voir qu'en soirée, c'est assez différent. Ce rassemblement est organisé tous les lundis. Il serait le plus gros au Québec. Parfois, près de 100 voitures s'y retrouvent. Mais cet été, des dizaines de plaintes ont été déposées à la police pour bruit et vitesse dans le secteur. On a eu des plaintes qui ont commencé à être acheminées à notre centrale 9-1 en juin. Et puis suite à ça, nos policiers sont venus, ont fait une intervention. Puis on détecte un phénomène. Donc, on a mis des policiers en charge de s'assurer que la sécurité routière aux abords du phénomène soit optimale pour éviter qu'il y ait des gens qui soient blessés. La police de Laval le reconnaît. Elle tolère les rassemblements, mais si dérapage il y a, elle n'hésite pas à intervenir. Ce qui est interdit, c'est... Elle a même réalisé une vidéo pour informer les passionnés des modifications permises sur les véhicules. Même si certains ne respectent pas les règles, reste que d'autres dénoncent les préjugés à leur endroit. Nous autres, c'est pas illégal ce qu'on aime. On fait ce qu'on aime et ce qu'on trouve beau. Puis on essaie, dans le fond, de le faire en respectant le plus qu'on peut. Jérémy a 21 ans. Il habite sur la rive sud de Montréal. Il travaille comme peintre en carrosserie et se définit comme un artiste dans le milieu. Il a investi 40 000 $ dans sa voiture en respectant le code de la route. Il se fait fréquemment intercepter par les policiers. Je mettais mon essence dans une station de service, puis la police, elle attendait derrière la voiture, là, sans même avoir entendu le bruit de la voiture. Où, j'avais rien fait de mal, là, en fait. Là, j'avais même pas fait d'infraction. Puis elle attendait que je parte pour me coller. Là, c'est un peu plate à dire, mais des fois, le fait qu'on soit jeune aussi. Là. Quoi qu'il en soit, la police et les passionnés cherchent un terrain d'entente afin que cette activité puisse continuer d'exister